Bienvenue à Salade de Soleil, ici Pénélope McBusson pour cette troisième émission. On est aujourd'hui au pique-nique Mutec, sans soleil malheureusement. Herbie Moreau n'a pas pu se joindre à nous. On va quand même vous présenter un guide de survie qui va contenir quelques accessoires essentiels pour bien survivre au pique-nique tout l'été, ce qui peut être plus difficile qu'on le pense. On a une entrevue avec le duo français Nose qui performe aujourd'hui de la musique complètement délirante et sans aucun sérieux. Et on a à la fin de la capsule un vélo pliable à faire tirer. Et je vous invite à visionner la capsule jusqu'à la fin pour avoir tous les détails du concours. Dans l'édition de juin du Nightlife Magazine, on a un guide de survie que j'ai rédigé en tant que vétéran de l'événement où on vous explique pourquoi amener certains accessoires se révèle essentiel à votre bon plaisir. Alors, une chose qui est bien importante de traîner ici, c'est une glacière. Donc, dans cette glacière-là, j'ai de la crème solaire, extrêmement important aujourd'hui. On a de la vodka. Donc ça, c'est une belle bouteille en plastique. L'aluminium et le plastique sont admis sur le site, mais pas la vitre, très important. Et on a l'édition de juin du Nightlife Magazine, qui est sortie il y a 2 semaines avec 2 top modèles sur la couverture. Enjoy! Salut, ici Thomas Leblanc, collaborateur de l'émission Salade de soleil. C'est un dimanche sous la pluie pour ce spécial Mutec des pique-niques. Vous savez peut-être que le slogan de l'émission Salade de soleil, c'est DJ, chaleur et niaisage. Eh bien, on va aller niaiser avec les danseurs des pique-niques avec un petit tambourine jaune. C'est le meilleur groupe d'électro qui existe en ce moment, à mon avis. À ton avis? Ah, oh, il casse la baraque. Alors, on s'apprête à interviewer Nose. Ils viennent de terminer leur performance. Ils sont très sur le party. C'est les animaux. On vous a vu à Montréal l'hiver dernier sans chandail. Ouais, mais là, il fait trop chaud. Sans chandail dans un igloo. Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, mais la dernière fois, il y avait de la neige. Cette fois-ci, il y avait de la pluie. Et la prochaine fois, ce sera la tempête de sable. comment est-ce que tu trouves ça, la végétation montréalaise? C'est du bouquet, connard. Je sais pas si tu es au courant qu'il y a beaucoup de gens qui urinent dans ce coin-ci. C'est quoi la question? Comment est-ce que vous trouvez Montréal? Super. J'adore la neige, j'adore la pluie. Oui? C'est un peu gris. On fait une musique de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour toi. Fameux concours, il s'agit d'un vélo pliable de marque Narco. Pour participer, il vous suffit d'envoyer un courriel à soleil@nightlifemagazine.ca et nous nommer un des accessoires qui figure dans notre fameux guide de survie. Pour les cyclistes qui nous écoutent à la maison, le vélo est une valeur de 450$. Il y a des roues de 20 pouces. Ouh! Il y a 6 vitesses. Ah! Et il y a un cadre en aluminium. Oui, monsieur. Donc, c'était tout pour Salade de soleil cette semaine. La semaine prochaine, on fait pique-nique buissonnier. Et parlant de buissons, on vient d'interviewer les gens de Nose dans les buissons. Ça faisait pas trop de sens, mais c'est exactement ce à quoi on s'attendait. À la prochaine capsule, vous allez voir, messieurs, dames, que nous allons vous parler des parties de la Saint-Jean. Et on va probablement rencontrer Hercules and Love Affair. Alors en attendant, vous pouvez pleurer sous la pluie et avoir beaucoup de plaisir à la maison.